Merci à UniConverter de sponsoriser cette vidéo. C'est un logiciel super intéressant avec une interface simple à comprendre pour les personnes qui souhaitent se lancer sur YouTube ou juste convertir et ou compresser des vidéos. Le lien est dans la description, vous pouvez l'essayer gratuitement. Dans l'onglet à gauche, vous avez les catégories, vous pouvez cliquer sur enregistreur d'écran et vous pouvez enregistrer votre écran, votre webcam ou juste le micro. Par exemple, moi si je veux enregistrer mon écran, je clique ici. Ça m'ouvre une sorte de fenêtre dans laquelle je peux choisir ce que je souhaite enregistrer. Donc moi par exemple, je vais décider d'enregistrer tout mon écran et pas seulement une partie. Ici, je peux choisir le micro, je peux choisir le son du jeu. Donc moi j'ai le son coupé, donc c'est normal, ça ne détecte pas, c'est tout à fait normal. On peut enregistrer la webcam, bon moi pour le coup, je n'enregistre pas. Et vous pouvez appuyer sur Rec pour enregistrer. On peut aller aussi dans l'éditeur vidéo, ajouter par exemple ici une vidéo et on pourra découper, rogner, mettre un filigrane, mettre un audio, rajouter des sous-titres et des effets à la vidéo. Les enregistrements, on va pas se mentir, ça prend de la place. Des fois compresser une vidéo, ça permet à votre ordinateur d'être moins encombré. Personnellement, mes fichiers, bah, ils prennent plus d'un téra sur mon ordi, c'est énorme. Le logiciel donc propose de compresser une vidéo. Donc par exemple, je vais mettre une de mes grosses vidéos. Ici, c'est l'une de mes prochaines vidéos que je dois monter. Et là, on peut voir que le fichier, il fait 5,8 Go. Et le logiciel nous permet de nous rendre un fichier qui fait entre 2 Go et 4 Go. Ça fait quand même beaucoup de place d'économiser. On peut également, en allant juste ici, convertir un fichier vidéo ou audio. Perso, ça m'a servi pour un fichier audio qui ne fonctionnait pas. Je l'ai converti, hop, miracle, ça a refonctionné. Je pense qu'il me manque un petit plugin sur l'ordi. Dernière chose avant de passer à la vidéo, c'est le téléchargeur juste ici à gauche. UniConverter, il propose de télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1000 sites. C'est hyper simple et rapide. Exemple, demain vous partez en vacances et vous savez que vous n'aurez pas accès à internet, vous pouvez télécharger le contenu de votre youtubeur préféré, Kinzel. Et ainsi, comme ça quand vous serez dans votre file d'attente de 2 heures à Disneyland Paris pour aller faire une attraction, eh bien vous pourrez regarder une vidéo en attendant. Donc je rappelle, le lien est dans la description, et bien nous c'est Ipar pour le contenu de la vidéo. Ah, et bah, il va bientôt faire jour, je me lève hyper tôt aujourd'hui. Parce qu'il faut que je fasse une vidéo pour ma chaîne YouTube, parce que je suis une Instagrammeuse, je m'appelle Aya Takamori, j'ai 3 millions de followers. Et donc, aujourd'hui, petite vidéo, Instagram contrôle ma vie. Donc, on va commencer par prendre des photos de mes tenues. Alors, soit on met une vieille tenue toute moche que j'ai gardée depuis longtemps. Donc c'est une tenue où j'ai fait 4000 accidents avec, que je l'ai lavée 4000 fois et que je l'ai déchirée parce que je l'aimais pas. Ou bien, option numéro 2, regardez cette belle tenue Gucci Gucci Versace avec des baskets hyper chères, d'accord? Hein, j'espère que vous allez voter la deuxième option, bien évidemment. Oh là là. De toute façon, mes followers, c'est trop des chéris d'amour. Forcément, ils vont voter pour la deuxième option. Hein. Allez, on va attendre un petit peu. A few moments later. Ah, j'ai le temps de me laver, de me brosser les dents. Donc maintenant, je vais aller vérifier sur mon téléphone. J'ai posé juste là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voté, mes abonnés, mes followers d'amour chéri? Quoi? Comment ça? 99% pour la tenue numéro 1, la plus moche des deux. Non mais je hurle. Oh là là, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour me narguer. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le deal. Maintenant que c'est sur Instagram, de toute manière, je suis cramée. Je peux même pas faire de fake sur cette vidéo. Bon, tant pis, je vais mettre le tenue, hein, c'est pas grave. Et voilà, bon, je reprends le smile. Bon, moi, la vidéo, elle fera des vues, c'est pas grave. Bon, je vais descendre en bas, hein, dans ma belle petite maison que j'ai pu m'acheter avec mes zoopés sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, donc pour le petit déjeuner, soit ça va être un petit déjeuner très ilfi, donc on va prendre en photo cette pomme et cette banane, j'adore, avec un petit café. Voilà, donc ça c'est pour l'option 1, comme ça si je la mets en première, peut-être qu'ils voteront plus pour la première, hein. Peut-être ils ont un peu la flemme de choisir, donc ils prennent la première option. Voilà, donc mes amours, l'option numéro 1 pour que je mange cette magnifique pomme et cette banane, ainsi accompagnée petit café, du petit cappuccino, le petit capupu, le petit chin-chin-chino. Et et option numéro 2, je ne prends pas de petit déjeuner. Voilà, votez mes amours.
Et bon, on va attendre qu'il vote. Je vais m'asseoir un petit peu pour me reposer. Puis il va bientôt faire jour, donc bientôt je vais pouvoir sortir. A few moments later. Nanana. Bon, je pense qu'ils ont eu le temps de voter. On va voir un petit peu. Hein. Ah bah ils ont voté pas de petit déjeuner. C'est pas bien grave. Bah je pense que c'est une bonne chose, hein, parce qu'ils ils veulent quand même que je sois en bonne santé. C'est bien de jeûner des fois et de ne pas manger le matin. Bon bah tant pis. Bon. Va bientôt faire jour, donc comme prévu à mon planning, en plus pour cette vidéo, ça tombe bien, étant donné que dernièrement, j'ai été sponsorisée par un VPN, et bien j'ai eu beaucoup d'argent, et donc avec ce beaucoup d'argent, je vais pouvoir aller acheter une voiture, et je vais laisser mes abonnés choisir à ma place. Bon, allez, j'y vais. Ça va bientôt ouvrir. Ah, ça y est, c'est juste là. Comme quoi, c'est hyper important pour moi d'acheter un véhicule, j'en ai marre de marcher à pied ou d'attendre le bus. Bonjour monsieur. Bonjour madame, comme vous constatez, je n'ai pas d'argent à vous offrir. Est-ce que vous pouvez aller faire la manche autre part, s'il vous plaît? Mais monsieur, moi je m'appelle Ayat Akamourir. Je suis hyper riche et je suis une hyper grande star. Et en fait, je viens pour acheter un véhicule, monsieur. Ah oui, c'est exact, madame Ayat Akamourir. C'est vrai que vous deviez passer aujourd'hui. On vous a sorti les deux véhicules que vous souhaitiez voir. Oui, c'est mieux. Donc, c'est les deux voitures entre lesquelles je dois choisir. Enfin, du coup, pas moi. Hein. Mes followers. Alors, mes amours, aujourd'hui, je vais prendre une voiture ou un scooter. Je voulais choisir entre cette magnifique Porsche qui est rouge, belle, flamboyante et bien neuve. Et entre ce scooter d'occasion qui a un pneu crevé, qui ressemble à rien. Voilà, en plus je crois qu'il y a un petit peu de vomi là sur le guidon. Oh là là, c'est dégueulasse. Voilà, donc bon, j'espère que vous allez voter la première voiture. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, j'espère vraiment là que je suis en train d'avoir un petit peu peur quand même de leur choix, parce que bon, mais bon, ils vont vouloir me voir payer beaucoup d'argent pour prendre cette voiture, je suppose, donc je vais attendre un petit peu. Bon, allez, je vais aller vérifier maintenant. Alors, ok, c'est là, d'accord, ok. Bon, pour l'instant, on est à 95% pour le scooter. Je vais attendre encore un petit peu, hein, peut-être qu'il n'y a pas encore assez de votes. A few moments later. Bon, je pense que j'ai assez attendu. Regardons un petit peu. Quoi ? 99% pour acheter ce scooter de merde. Mais moi, je veux acheter la belle voiture. Je veux pas acheter ce scooter de merde. Oh là là, en plus, il y a du vomi sur le guidon. C'est dégueulasse, ça sent mauvais. Et le seul pneu qui lui reste, eh ben, il a roulé dans du caca de chien. Ah, oh, j'en ai marre. Bon bah monsieur, je vous prends le scooter, hein, je vous envoie un chèque. j'en ai marre de ma vie, c'est de la merde. Oh là là, encore une clocharde qui m'a fait perdre mon temps. Je pensais qu'elle allait acheter cette belle voiture. Oh, j'en ai marre. Ok, j'arrive à la prochaine étape. Hop, attendez madame, je me gare juste là, d'accord. Voilà, je suis arrivée. Bon, il faut que je fasse ma prochaine story. Je vais mettre là, ça ferait un joli petit fond de décor. Ok, bon, faut que je reprenne le sourire. C'est parti, Ayat Akamourir. Tu vas voir, tout va bien se passer. Cette fois-ci, ça peut pas être possible que tous mes abonnés ils votent la mauvaise option encore une fois. Genre 4 fois d'affilée, c'est bon à un moment donné. Bon. Et salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a deux choix. Alors le premier, bien sûr, évidemment, celui que vous allez choisir, hein, n'est-ce pas? C'est la coupe avec des magnifiques cheveux blonds. Voilà, je vais devenir blonde avec des extensions, tout ça, tout ça. Très belle coupe.
Et le deuxième choix, qui n'est pas vraiment une option, ne votez pas celui-là, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le crâne rasé. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Allez, votez, hein, mes amours. Hein. Je vous aime de ouf. Hein. N'oubliez pas, hein, surtout. Ouais, j'espère qu'ils vont vraiment pas oublier, parce que là, ça craint s'ils votent que je me rase la tête. Comment je vais faire, moi, après, pour faire mes jolies photos sur Instagram? J'aurai plus aucun partenaire. J'ai ma carrière qui va être foutu s'ils votent ça, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas avoir autant de pas de cœur que me demander de me raser la tête, hein. C'est pas possible. A few moments later. Ils ont dû avoir le temps de voter. Je vais aller vérifier ça. Alors. Oh mon dieu. J'aurais dû m'en douter, bien évidemment, qu'ils ont voté le crâne rasé à 99,9%. Non mais je rêve, le 0,01% qui a voté pour la belle coupe de cheveux blonde, et ben c'est moi, je suis la seule qui a voté ça. Mais pourquoi il y a tout le monde qui vote ça? Je comprends pas. Bon, j'essaye de relativiser, hein. Avec un peu de chance, je pourrais mettre une perruque. Bon, allez. Bon ben madame, est-ce que vous pouvez me raser le crâne, s'il vous plaît? A few moments later. Je suis horrible. Je vous remercie pas, madame. C'est moche, votre coupe. Je me barre. Je vais pas payer pour qu'on me rase le crâne quand même. Non, mais faut arrêter à un moment donné. Je rentre chez moi parce que là, il y a des gens, ils n'arrêtent pas de me prendre en photo. Demain, je vais faire la une des magazines. Je suis au bout de ma vie. Mes cheveux. Oh là là. Ça craint. Allez, je rentre chez moi. Une petite douche, ça me fera du bien. Alors, pour les votes, qu'est-ce qu'ils ont voté? Donc, j'ai mis sur ma story, soit je prends une douche froide, soit je prends une douche chaude. Oh mon dieu, une douche froide! Mais j'en ai marre de ma vie. C'est froid! Ah, c'est froid! Ah, c'est très, 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 très froid! Ah, je me suis mise en pyjama, ça fait un petit peu de bien là quand même. Je me dis finalement c'est pas bien grave. Avec une jolie perruque blonde, c'est comme si j'étais allée chez le coiffeur, hein. Au final, c'est pas bien grave. Et puis bon, de toute manière, quand j'étais sous la douche, je me suis fait pipi dessus. Comme ça, j'ai eu un petit peu d'eau chaude sur moi et ça a fait du bien quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont voté? Alors, soit c'était je commande un Uber, soit je me fais à manger toute seule. Donc au moins, même s'ils votent que je me fais à manger, bah au moins je mangerai quelque chose parce que là je commence à avoir un petit peu faim. Ok, bon bah bien évidemment, hein. Ils ont voté que je vais me faire à manger moi-même. Bon, bah je vais me faire à manger, alors c'est pas bien grave. Bon, heureusement, c'est la dernière story de la journée pour la vidéo, donc je vais pouvoir manger, me reposer un petit peu, regarder mon petit Netflix. Comment qu'on fait pour allumer ça? Comment ça marche cette chose? Ah, faut mettre un truc dedans. Ok, comment je fais alors? Il faut que je prenne un truc de mon frigo. Alors, ah oui, je vais mettre ma pizza et je vais mettre aussi la tablette de chocolat, le Nutella, ouais, je vais tout mettre dans mon four, comme ça, voilà, je mets mon pot de Nutella dans le four, avec la pizza, ça fera une pizza au Nutella. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Si je mets du lait, ça va se transformer peut-être en chantilly. Allez, on met le lait aussi dedans, c'est plutôt une bonne idée. Faudrait vraiment que j'ouvre une chaîne culinaire et que je montre des nouvelles recettes aux gens parce que bon, franchement, j'assure de ouf, c'est mon premier repas que je fais. Bon, voilà, allez, on ferme le four et je vais aller regarder la télé en attendant que ça chauffe. Hein. Allez, on va regarder Les Princes de l'amour, j'adore cette émission. A few moments later. Ah, ça sent le fumé là, ça sent le bacon cramé. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout qui crame? Oh mon dieu, il y a le feu chez moi! C'est quoi ça? Mais non, c'est mon four! Mon four il a pris feu, mais je comprends pas, j'ai juste mis du carton, du plastique et du verre dedans. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Comment je vais faire? Faut que je sorte de là! Vite! Je dois partir, mais
Mais il y a tout qui est fermé, j'ai pas ma télécommande de mon garage. Comment je vais faire? Ah, je vais sauter par la fenêtre. Je vais sauter par la fenêtre. Pourquoi elle se casse pas? Oh merde, c'est une fenêtre blindée. Oh non, mon dieu, je suis enfermée dans le feu. Ok, je vais courir et je vais sortir. Ça marche dans les films, ils font toujours ça. Allez, 3, 2, 1... Yaaaah! Thank you.